levé, son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Chantons, alléluia, chantons, 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 chantons,
Bonjour à toutes et à tous. On est en direct et je salue également tous les internautes. C'est sûr qu'il y a un changement d'ambiance entre le verset qu'on vient de voir et le « il est vivant » et « on était à fond avec Dieu ». Parce que lorsque l'on lit quelque chose qui nous interpelle autant que « tu verras, tu sauras », combien c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel ton Dieu, on a du mal à croire qu'on puisse être à la fois autant haut comme on était il y a quelques minutes et on peut avoir aussi des bas dans notre vie à être au point d'abandonner l'Éternel notre Dieu. Et c'est vrai qu'on est en train de parler de la même personne, soyons juste honnêtes. Peut-être tu es derrière ton écran ou peut-être tu es là dans la salle, il y a des moments où avec Dieu tu es très haut, il y a des moments où tu es très bas. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'engrenage, et c'est la série qui a commencé depuis déjà une semaine et qui se prolongera la semaine prochaine avec le pasteur Steve Rivière de l'église Extravagance. Il y a un engrenage. Un engrenage, c'est quelque chose qui démultiplie. C'est-à-dire qu'il faut une petite impulsion au départ et ça donne de plus grands résultats derrière. Un engrenage peut être positif. Tu développes quelque chose, ta vie progresse, il se passe quelque chose qui a la gloire de Dieu, et ta vie peut également régresser. L'engrenage peut commencer à dysfonctionner, il suffit qu'il y ait un grain de sable, et dans ce cas-là, il y a un décrochage. Un décrochage peut être décrochage des capacités. Décrochage des capacités, j'ai été professeur pendant 10 ans et j'ai vu des élèves qui, en plein milieu de l'année scolaire, parce qu'il s'était passé quelque chose dans la famille, dans le couple de leurs parents, ou bien parce qu'ils n'avaient pas compris un cours, quelque chose qui les déstructure sur leur image d'eux-mêmes, ou bien dans la cour de récréation, un élève va mettre en place un système de destruction de lui-même et il va y avoir un engrenage négatif. Je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça un jour dans une classe où tu as commencé à perdre pied. Décrochage peut être financier, parce qu'il y a eu un moment, un coup dur, tu as mal géré ça, tu ne savais pas comment faire, il y a eu un premier crédit, un deuxième crédit, et tout se met en place. Destruction. Un engrenage physique. J'ai regardé avec peine le match de Zinedine Zidane, la semaine dernière, je ne sais pas si certains l'ont fait. FIFA 98 contre équipe de France 98. Bon, bah, comment vous dire ? Il y a une forme de décrochage, parce que les gars, ils avaient plus de gras que de muscles, hein, qui couraient sur le... Les mêmes qui gagnaient la Coupe du Monde contre le Brésil, c'était plus les mêmes. Parce que si tu prends pas soin de toi, il y a quelque chose qui se décroche. Il y a des muscles qui partent. Et surtout, il est un décrochage dont je voudrais parler, c'est le décrochage spirituel. C'est, on a beau, à une période de notre vie, être au top, parce que notre cœur est au top avec Dieu. Et si on ne veille pas sur notre cœur, qui est la source de tout, on finit par croire qu'on peut se relâcher. Et un engrenage négatif peut se mettre en place. Les priorités commencent à dysfonctionner. Avant, Dieu avait la priorité de ton temps, Dieu avait la priorité de ton argent. Et au bout d'un moment, Dieu n'est ni en un dans ton temps, ni en un dans ton argent. Et le décrochage est progressif. On ne le voit pas, mais au bout de quelques mois ou quelques années, tu t'en rendras même plus compte. Car il est plus facile de s'alarmer du décrochage des autres que de s'alarmer de son propre décrochage. C'est ce que dit Jésus. Il dit, attention, des fois, on voit la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais on ne voit pas la poutre qui est dans le nôtre. C'est très difficile d'analyser quand nous-mêmes, on est en train de dysfonctionner parce qu'on essaye de se rationaliser dans la tête et puis de dire, non, c'est que passager. Ça ne vous arrive pas. Il n'y a que moi qui ai ce genre de problème, non ? On a du mal à accepter un jugement négatif sur soi-même des fois. Alors il y a fils de David, c'est le titre de la série, et on a vu que soit il y a des fils naturels de David, c'était Amnon, aujourd'hui ça sera Adonia et Absalom la semaine prochaine, ou bien il y a quelqu'un qui est différent. On l'appellera admirable conseiller prince de paix, et son nom sera Jésus, fils de David, et il va rectifier l'engrenage négatif des premiers fils de David. Vous êtes là ou pas ? C'est bon ? Alors ensemble, après avoir vu la semaine dernière Amnon, c'était un peu violent dans la semaine dernière. C'est l'histoire d'un viol d'ailleurs. Et c'était lourd, peut-être même pesant pour certains. Et je prie pour que Dieu, et je crois que Dieu, à la fin de ce message, peut apporter aussi au minimum des compréhensions de phénomènes tabous et des guérisons. Ça devienne moins douloureux. Aujourd'hui, on va lire l'histoire d'un deuxième fils, Adonia. Adonia, Adonija, comme vous voulez, c'est pareil en hébreu. On lit ensemble. Adonia, le fils d'Agit, vous savez que David était polygame, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire « c'est moi qui serai roi ». Est-ce que vous voyez quel va être le thème d'aujourd'hui ? Ça tombe bien, ça ne vous concerne pas. Adonia, le prétentieux. Vous êtes tranquille comme ça dans une prédication, on parle de l'orgueil.
Regardez votre voisin, c'est à lui que ça s'adresse. Toi qui es en ligne, regarde, c'est eux les orgueilleux, pas toi. Adonia le prétentieux. Vous savez, on a tellement l'impression, on fait tellement des clichés sur l'orgueil. L'orgueil, c'est la bimbo. L'orgueil, c'est le cadre qui se croit un petit peu et qui se prend au sérieux dans l'entreprise. L'orgueil, c'est cette personne qui est visible. Non, non, mais on peut être moche et orgueilleux. Hein. On peut être pauvre et orgueilleux aussi. Hein. Et on peut être bête et très orgueilleux. Et le livre des Proverbes dit que c'est vraiment embêtant quand on est bête et très orgueilleux parce qu'on n'est pas prêt de progresser. Hein. Mais c'est ça la vérité. Il y a des riches orgueilleux, il y a des pauvres orgueilleux, il y a des moches orgueilleux, il y a des beaux orgueilleux, il y a de tout. Et Adonia, c'est juste un orgueilleux. D'ailleurs, il est beau et on va en parler après. Adonia, l'engrenage de l'orgueil, engrenage des prétentions. Des prétentions. Une prétention, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas... C'est prétendre à quelque chose qui est au-dessus de ce que l'on est. Vous comprenez l'idée ? C'est de viser plus haut que ce que ton caractère est arrivé. Que là où ton caractère est arrivé. La prétention, c'est-à-dire plein de domaines dans lesquels on peut être prétentieux. On va avoir deux domaines de prétention d'Adonia aujourd'hui. On va avoir la prétention à l'autorité et on va avoir la prétention à l'amour. Parce que peut-être tu n'as pas de problème avec l'autorité, mais question d'amour, il y a peut-être du souci à se faire. Ou inversement. La prétention, c'est le fait de ne pas avoir une juste appréciation de nous-mêmes. On va faire un tout petit peu de philo, parce que je sais que le bac, c'est bientôt, mais une juste appréciation de notre propre valeur, quand on arrive à être juste, à bien s'estimer, ni se surestimer, ni se sous-estimer, une bonne appréciation de notre propre valeur comparée à notre valeur aux yeux des autres, comment les autres nous voient, ça contribue beaucoup à notre bonheur. Schopenhauer. Si tu te dévalues, tu vis mal parce que tu es sans arrêt dans le misérabilisme. Si tu te survalues, surestimes, tu seras dans le mépris, l'orgueil et tu vas juste être ramené à la réalité par tes collègues. Et puis si tu es à ta bonne place, tu es plus heureux. On va voir David. Premièrement, David et ses fils, comment ils vont vriller et comment Jésus, deuxième partie, Jésus, fils de David, va nous ramener dans une bonne prétention, qui ne soit pas de l'orgueil. Vous êtes toujours là ou pas ? Allez, on a choisi d'être en direct en ce moment et je suis très heureux avec vous, les internautes, de lire ensemble le problème de David. Quentin, rotation de David. David n'était pas orgueilleux. Non, vraiment, sincèrement, David avait d'autres problèmes. Il avait un souci au niveau du sexe, il avait un souci au niveau de la façon dont il voulait s'approprier certaines choses, mais, avec Bathsheba notamment, mais au niveau d'orgueil, ce n'était pas son problème à David. Il avait d'autres problèmes. C'est quoi son problème ? Comment un papa non prétentieux peut avoir un gamin aussi orgueilleux ? Genre, là, il y a un truc, c'est pas héréditaire. Là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a fait dysfonctionner la machine ? On regarde. Rotation. Son père, donc David, à propos de Adonia, le fils d'une de ses épouses, son père ne lui avait pas adressé un seul, on lit ensemble, pas un seul quoi ? Reproche. Ah ben c'est cool ça, je sais pas s'il y a des ados dans la salle ou qui regardent, mais c'est papa de rêve ça ! Papa, il dit oui. Papa, je veux ça. Oui. Est-ce que je peux? Oui. Et il a toujours été dans le sens de son fils. Pas un seul reproche dans sa vie en lui disant jamais pourquoi agis-tu de telle manière. Papa, en fait, ne cadre pas. Il laisse le gamin grandir comme il veut. Et voilà ce qui se passe lorsque tu as un vide d'autorité. Un vide d'autorité, ça crée un dysfonctionnement chez l'enfant. Aujourd'hui, dans une société où les papas sont beaucoup trop absents, et il est temps de remettre du cadrage. Il y a beaucoup de garçons, beaucoup de jeunes filles qui partent en vrille par manque de cadrage et de repères. Même si on n'aime pas ça, c'est indispensable. Laissez-moi vous dire une chose. Vide d'amour. Pourquoi ? Parce qu'un vide d'autorité va entraîner un vide d'amour. On a besoin... Je sais que vous avez du mal à accepter ça, surtout si vous êtes un peu plus jeune, mais... Oui, c'est une bonne chose d'être confronté dans nos bêtises. Ils feront la grève des Amen, ce sont des Français. D'accord, je pensais bien qu'avec ça, ça... Oui. Non, c'est parce que vous êtes des vieux dans votre tête, peut-être, que vous êtes au-dessus de ça, d'accord. Mais concrètement, bien sûr qu'on n'aime pas être confronté. Qui aime bien des reproches ici dans cette salle ? Personne. On va en parler, restez là, restez là. On va en parler.
Parce que le reproche, si c'est un vrai reproche qui nous remet en cause notre chair, notre moi, ça pique. Vous allez voir, ça va piquer. J'arrive. Et papa David a eu aucun problème, lui, avec la relation d'autorité. Regardez, à titre personnel, il respectait les autorités. Même il respectait beaucoup, tellement trop peut-être. Quand son père lui a dit, pendant que les grands frères, eux, c'est des gens bien qui méritent une onction, toi, va t'occuper des chèvres. Quand le papa disait, les gens sérieux, ils vont à l'armée, toi, va t'occuper des moutons. Il le faisait. Il a systématiquement été sous-estimé par son père. Le petit dernier, le petit rien. Mais David a respecté. Et qu'est-ce que Dieu a fait? C'est qu'il a élevé celui qui était abaissé. Et David a été systématiquement repêché par Dieu. Et du coup, David a développé avec Dieu. Ça sera pareil avec Saül. Il va dire, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Il était presque trop respectueux des autorités, même quand l'autorité était abusive. Mais il s'est passé quelque chose. C'est que Dieu a dit, puisque mon serviteur David est prêt à s'humilier alors qu'il aurait pu se révolter, et qu'il reconnaît ma souveraineté, en fait, Dieu est souverain. Et Dieu a l'autorité suprême. Et Dieu se joue de Saül comme il se joue d'Isaïe qui essaye de mépriser son fils. Et Dieu a systématiquement pris soin de David en ayant une relation directe et approfondie avec lui. Je suis en train de vous amener quelque part. Regardez bien ça. David n'a pas de problème avec l'autorité et il a une excellente relation structurée sur le long terme avec Dieu. Il y a ici dans cette salle des papas, des mamans qui sont fidèles à Dieu depuis des années. Vous êtes solides. Ma question c'est, et les enfants? Ah, et les enfants? Parce qu'en en fait, il a beau être solide à titre individuel, ses enfants ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas cadrés. Absence. Absence, absence de cadrage paternel, il n'a pas permis une progression de ses enfants. Qu'est-ce que fait un enfant qui n'est pas cadré? Il se cadre tout seul. Et c'est-à-dire qu'il met des valeurs en place qui ne sont pas des bonnes valeurs. Il va mettre... La valeur discipline n'existe pas chez Adonijah. Mais la valeur travail non plus. C'est un gosse de riche qui pense que tout est dû et que s'il paye, il a. Et ensuite, David n'a pas transmis, et vous allez voir tout à l'heure dans le texte, que David n'a pas transmis. Il a certainement dit des choses de Dieu à Adonia, mais il n'a pas accompagné Adonia dans sa croissance spirituelle à lui. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. Un papa, une maman, ne peut pas te garantir le salut. En tant qu'enfant, il va falloir que tu fabriques, que tu construises, que tu tisses au fil des ans ta relation avec Dieu. Quand est-ce que David a tissé sa relation avec Dieu? Il l'a forgé dans la grotte d'Adoulam lorsqu'il pleurait, lorsqu'il écrivait les psaumes, lorsqu'il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverserai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Vous voyez, il a tissé des choses avec Dieu. Il a tissé l'Éternel et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Quand bien même une armée s'élèverait contre moi. Il est énorme ce David. Mais le fils n'a pas ça. Et on va voir que ça va poser d'énormes problèmes. B, les prétentions d'Adonia. B, prétentions d'Adonia. Il va vouloir la même autorité que papa alors qu'il n'en a pas la personnalité ni le caractère. On lit ensemble. Prétention d'Adonia. De plus, Adonia était très beau. Bon, à choisir, vous préférez quoi? Ici présent dans la salle, soyez honnête, vous en ligne, je ne sais pas, je ne peux pas vérifier. Mais à choisir, au même prix, belle ou moche, tu choisis quoi? On est d'accord. Merci Seigneur pour l'ADN, c'est bien tombé. Voilà. Et il est juste comme ça. Vous savez, des fois, c'est dangereux d'avoir un trop bon ADN au départ. Parce qu'il n'y a aucun mérite pour ça. Ok, on continue. Et puis il était né après Absalom. Là, il faut comprendre qu'on a une petite coupure en termes de chronologie. La semaine prochaine, vous allez voir qu'Absalom, c'était l'aîné, mais l'aîné est mort. Et donc, dans la ligne hiérarchique, c'est au tour d'Adonija d'être le roi, normalement, en logique héréditaire. En logique héréditaire, il est le... Vous savez que dans le loto, là, il y a la pub, le loto, à qui le tour? Ben là, il peut dire, à mon tour. On revient, logique héréditaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une prétention double. Une prétention à l'autorité et une prétention à l'amour. Est-ce que tu peux marquer ça? Une prétention à l'autorité, une prétention à l'amour. Prétention à l'autorité. La première phrase qui nous parle d'Adonija, c'est Adonija dit, moi je régnerai, emporté par l'orgueil. On lit. Adonija, le fils d'Agit, se laissa emporter par l'orgueil. Au bout d'un moment, c'est même plus tes chevilles, tu voles. Il est porté, le gars. C'est moi qui serai roi.
Il se procura un char, des cavaliers ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Wow! Toutefois, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les vaillants hommes de David, ni son frère Salomon. On va être droit par-dessous. Un petit coup d'État bien manigancé. Et je vais récupérer l'autorité comme cela. Sachant que papa est un vieillard mourant, parce qu'à ce moment-là, David est en train de mourir sur un lit. Vous savez, juste pour être fidèle au texte, je dois vous expliquer ce qui se passe. David était tellement vieillard et tellement mourant qu'il n'arrivait même plus à être chaud, froid, machin, etc. Il n'arrivait plus à manger, il n'avait plus envie de vivre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les conseillers de David? Ils ont fait ce qui marche seulement avec David, c'est qu'il faut à chaque fois lui remettre une belle femme devant les yeux pour qu'il continue à vivre. David avait un vrai problème avec les femmes. Et du coup, ils ont fait un casting, ils ont cherché un top modèle dans le royaume, ils ont trouvé Abishag le top modèle. Il ne s'est rien passé, il n'a pas couché avec elle, je vous rassure. Mais rien qu'en voyant Abishag, ça lui donnait envie de vivre, quoi. Et ils ont gardé papy à peu près vivant pendant quelques temps comme ça. Voilà, ça c'est l'histoire, vous lisez, ça s'appelle un roi, et c'est juste l'histoire. Et pendant ce temps-là, pendant que papa est avec sa belle plante et qu'il ne se passe rien, pendant ce temps-là, le fils, lui, il est en train de se faire des copains. Il se trouve des gars qui payent, qui veulent combien pour courir pour dire que c'est moi le roi. Et puis, il fait venir des potes pour le faire reconnaître roi. Il est autoproclamé et surtout, regardez ça, il paye pour avoir à défaut d'être. Ouh, c'est bon ça. Dans ton travail, si tu veux une promotion, tu as deux possibilités. Soit tu cherches à obtenir des choses, des amis, des faveurs et un clan, une clique, ou soit tu bosses comme une malade. Tu préfères quoi? Il y en a une qui est rapide et qui coûte pas grand-chose, et il y a l'autre, c'est l'horreur, ça dure longtemps et c'est même pas garanti. Donc forcément, si tu n'as pas eu des valeurs et un cadrage de travail, de discipline, tu vas faire un court-circuit et tu vas essayer à obtenir au lieu de construire. C'est beaucoup plus facile d'avoir que d'être. Parce que l'être, ça va t'obliger à travailler ta personnalité, à travailler ton caractère, à travailler tes humeurs, à avoir te lever le matin alors que t'as pas envie de te lever, à prier quand t'as pas envie de prier, à te bouger, à adorer à un moment où t'as plus envie d'adorer. Être, c'est développer des choses qui sont pas forcément naturelles, mais c'est de l'acquis que tu vas acquérir avec Dieu. Vous comprenez ça? Moi, des fois, j'ai envie d'avoir. C'est beaucoup tellement facile d'avoir. Seigneur, donne-moi ceci. Combien de nos prières sont « Seigneur, donne-moi quelque chose » et combien de prières sont « Seigneur, change-moi » ? Bon, d'ailleurs, je vous laisse, vous faites ce que vous voulez. Mais en général, on a tendance à dire « Donne-moi ». La prétention, c'est obtenir plutôt que devenir. Vous voyez ? Il va chercher à obtenir la royauté plutôt que devenir roi. Parce que si je peux obtenir la royauté, il suffit que je paye 50 bonhommes qui courent et qui disent « Vive le roi !» Et ces 50 coureurs, ça fait du bruit. On se dit, oh, le gars, il est populaire. Il a 50 personnes qui crient « Vive le roi !» Bon, il leur a fait un chèque aussi. Et regardez, il ne va pas faire venir Nathan. Pourquoi il ne fait pas venir Nathan? Vous connaissez Nathan? Nathan, c'est le gars, je peux vous dire que question d'autorité et question de trouille, c'est un costaud. Hein. Nathan, il va en face de David, à l'époque de quand David est tout puissant, et il lui dit, « Monsieur le roi, là, dans votre royaume, il y a un voyou. » Ah bon? Oh, dis-moi ça, ce voyou mérite la mort. Ce voyou? C'est toi. Non mais Nathan, je peux vous dire qu'il rigole pas. Et regardez, Adonia, il s'est débrouillé pour que Nathan soit pas là. Parce qu'il savait très bien que le même Nathan qui avait condamné David est revenu voir David et lui a dit, de cette même femme avec qui il y a eu une punition, le péché et la mort, naîtra la vie et le futur roi d'Israël, et son nom sera Salomon, Dieu est ma paix et ma restauration. Et Nathan avait... Adonia, il ne veut pas entendre ça. Donc il ne fait pas venir les vaillants hommes. Tous ces gars qui sont prêts à affronter des Goliaths, il ne les veut pas. Il veut que des béni-oui-oui, des cireurs de pompe, des flatteurs, des gars... C'est plus facile de payer quelqu'un qui dit du bien que de construire ta propre valeur. Bon, comment ça va finir cette histoire? Au début, ça finit pas trop mal. Premier stop, Nathan. Nathan intervient, il va voir Bathsheba. Alors, laissez-moi dire juste quelque chose de pas gentil avec Bathsheba, puis après vous me pardonnerez, puis si je la croise au ciel, je vais essayer de l'éviter. Mais je pense que Bathsheba était plus belle qu'intelligente. Parce qu'elle a jamais rien vu, en fait. Et c'est vrai que Bathsheba, son fils, est sur le point
Parce que c'est un coup d'État qui est en train de se fomenter et elle ne voit rien, la fille. Donc, heureusement que Dieu intervient, il vient, Bathsheba est visité par Nathan. Nathan lui dit, « Eh, Bathsheba, ouvre les yeux, là. Salomon, si tu fais rien, dans quelque temps, il est mort. Hein. Et toi aussi. » Et le plan de Dieu va être cassé parce que vous ne confrontez pas ce petit bonhomme-là qui s'appelle Adonija et qui est en train de se mousser, là. Alors, du coup, elle va se réveiller, elle va aller voir David. David va avoir un esprit de sursaut. Enfin, David se réveille et finit par dire ce qu'il aurait dû dire depuis toujours. Il voit son fils Salomon et lui dit « Écoute ». Et il met le cadrage à Salomon. Lisez 1 Roi, chapitre 2. Il met le cadrage à Salomon. Il lui dit « Voici comment ça va se passer. Tu aimeras l'Éternel. Tu respecteras ses ordres. Tu veilleras ses prescriptions. Tu mettras en place des commandements de Dieu dans ta vie. Et il te bénira dans tout ce que tu entreprendras. » Yes ! Un peu tard. Mais Salomon va avoir ce cadrage. Adonija n'a pas eu ce cadrage. Et puis David fait oindre son fils Salomon. Alors, vous imaginez, il y a un coup d'État, en même temps il y a une proclamation. Donc ça devient du n'importe quoi pendant quelques minutes. Et alors que Adonija est en train de faire un festin avec ses copains qu'il a payés pour dire « Vive le nouveau roi !» Pendant ce temps-là, il y a un vrai roi. Et comme franchement, monsieur Adonija, c'est pas le plus courageux du monde, ni les gens qu'il a payés, ça part dans tous les sens. Au moment où Adonija apprend qu'il y a un vrai roi, qui est Salomon, qui est mis sur le trône, il perd pied. Tout ce stratagème, toutes ces manigances s'effondrent en un instant. Laissez-moi vous dire, regardez ce qu'il dit. Adonija eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de l'autel. Pourquoi il se leva aussi? Parce que les 50 gars qu'il avait payés là, les coureurs, ils courent. Les gars, ils étaient payés pour courir à l'aller, mais ils sont pas payés, mais ils courent au retour. Hein. Il n'y a plus personne quand la gloire n'est plus là. Hein. Tout ce que tu as obtenu en payant au lieu d'être, il n'y a plus rien de ça. Tout ce que je construis comme ça, ce que tu payes ne reste pas. Jésus, combien de fois il nous dit, attention, on peut s'amasser des greniers, des trésors, t'as tout qui peut exploser. Être plutôt qu'avoir. Et Adonija n'a pas développé l'autorité. Il a essayé de la prendre, c'est différent. Donc du coup, au lieu d'être dans l'autorité, vous savez, David, quand on lui apprend une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'il fait, David ? David, il écrit un psaume. David, il combat avec l'Éternel. Mais Adonija, il n'a pas la relation de papa. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, Adonija, il va s'accrocher au truc de Dieu. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont une relation fragile avec Dieu. Vous tous qui avez une relation fragile avec Dieu, vous allez, en période de peur, faire comme Adonija. Vous allez vous accrocher à des cornes. Comment ça ? Il sait qu'il y a un endroit qui a l'air d'être un peu magique et spirituel. C'est un endroit où il se passe des miracles parce que dans le tabernacle, il y a un autel et dans l'autel, il y a des cornes d'autorité. Et normalement, on n'a pas le droit de tuer quelqu'un sur l'autel. Alors je vais aller vite sur l'autel me cacher, comme ça on n'osera pas me tuer là-bas. Du genre, sa seule relation avec Dieu... C'est quand il est quasiment mort, quoi. Tu pries jamais, mais puisque ta voiture est en train de faire des têtes à queue, tu dis « Jésus !» Bon, vaut mieux tard que jamais, mais vaudrait mieux avant, quand même. Parce que si tu développes une relation avec Dieu, le têtes à queue, il n'a pas commencé que tu dis « L'Éternel, ma voiture entre tes mains, et ma vie entre tes mains, et en fait, je ne craindrai rien. » Et vous êtes là ou pas ? Où j'ai que des Adonija en face de moi. On est en danger qu'on est là-dessus, parce qu'on est fragile. Et si je ne développe pas une relation avec Dieu, je vais développer simplement le fait de m'accrocher à des trucs spirituels. Je vais dire, ah, oh, cette moquette, elle est bénie. Ah, cette eau, elle est bénie. Ah, je vais faire un petit visite à Lourdes. Ah, oh là là, ce prédicateur, quand il impose les mains, on a plus de chances d'être guéri quand même, je vais là. Ça, c'est béni. Mais laisse tomber, mon ami. Si ta seule relation, c'est un pupitre, le pupitre, il va partir un jour. Il va être carbonisé, le pupitre. Il n'y a rien qui reste. L'autel, il va disparaître aussi. Tout va disparaître. Et du coup, il y a des enfants de chrétiens qui se disent « Oh là là, je vais essayer de récupérer une expérience de ma mère. Ben, » tu récupères rien du tout. Parce que c'est le Dieu de ta maman, c'est pas ton Dieu à toi. Et si tu ne développes pas une relation personnelle et approfondie avec Dieu et direct, et il a ce problème-là, Adonija, il a ce problème-là. Il n'a pas développé de la profondeur. Donc il s'accroche à des trucs. Et l'autorité, il essaye de l'obtenir en s'accrochant à des trucs. J'ai mis la peur révèle la vérité. Quand tu es en situation de peur, on voit vraiment ce que tu avais au fond des tripes.
Et en vérité, il n'y a rien. Et en plus, il y a de la chance, parce que Salomon est magnanime. Salomon va lui accorder une grâce. Salomon avait le droit, normalement, puisqu'il y avait un coup d'État, de le liquider. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, ils ne faisaient pas dans le social, les rois. Hein. Même une tentative de coup d'État, t'étais mort. Alors un vrai coup d'État, t'étais mort et torturé. Et là, il ne va rien avoir, parce que Salomon lui dit, si tu te comportes comme un homme de valeur... Oh, c'est beau, ça. En fait, Salomon lui dit, je ne veux pas préjuger ta valeur. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas qui tu es. Pas qui tu as, mais qui tu es. Et si tu es quelqu'un de bien, pas un seul de tes cheveux ne tombera, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Puis Salomon envoya des hommes le faire descendre de l'autel. Vous voyez la scène un peu ? Le Adonija, il est tellement courageux qu'il est monté sur l'autel, carrément, quoi. Là où il y a les sacrifices d'habitude. Il dit, je ne descends pas ! Et Salomon dit, allez, on arrête ton cirque, là, tu descends, c'est bon, la chochotte, là, tu descends. Et il vient se prosterner devant le roi, et Salomon lui dit, va chez toi. Et là, je me dis, peut-être qu'il a compris la leçon, le monsieur, que l'important, c'est être, pas avoir. Bon, mes amis, il n'a pas compris grand-chose. Parce que quelques temps plus tard, Salomon est roi, Adonija, fils d'Agit, a trouvé, deuxième fois, c'est deux chapitres plus loin, Bathsheba. Comment vous dire ? Elle est facile à manipuler, la dame, la mère de Salomon. Et il lui dit, tu sais que la royauté aurait dû m'appartenir et que tout Israël portait des regards sur moi pour me faire régner. Mais la royauté s'est détournée de moi et elle est revenue à mon frère parce que l'Éternel lui l'a donnée. Je voudrais te dire une chose. Dans notre vie, on a tous des choses qu'on n'a pas digérées. Regarde-moi ici. Toi. Vous avez tous des choses. Vous dites, mais c'était légitime quand même. J'aurais mérité la promotion, j'aurais mérité d'être directeur de la louange, j'aurais mérité d'être ceci, j'aurais mérité de... Mes amis, on a tous des domaines dans lesquels on pense qu'on aurait mérité. Et on ne l'a pas eu, ok ? Maintenant, je te dis une chose, ça a beau être pas super spirituel, ça va comme s'afficher sur vos écrans, ce que tu n'as pas digéré finira par te rendre malade. Ce qui est vrai au niveau de l'estomac est vrai au niveau du cerveau. Si tu n'as pas digéré quelque chose au travail, ça finira par te rendre malade. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont au travail avec la boule au ventre, mais en fait, il ne s'est rien passé depuis 2 ans. Ça, faut arrêter. Faut arrêter. Oui, mais j'étais humilié, tu comprends. Adonija, pour lui, le droit naturel, le droit légitime est plus important que le droit spirituel. Mes amis, c'est l'inverse. Sachez que Dieu est le vrai souverain et que toutes les autorités dépendent de Dieu, donc tu ne pourras pas... Enfin, tu peux ruminer, tu peux te plaindre, tu peux dire « Dieu, je ne comprends pas pourquoi j'ai mal été jugé, tous les patatis. Puis c'était moi, normalement, tous les autres étaient morts avant, donc ça aurait dû être moi le roi, et puis pourquoi, et puis Dieu. » Des fois, on sait que Dieu nous a dit non, mais on continue quand même. Du genre, ça fait déjà 2 ans que Dieu t'a dit « lâche l'affaire ». Et toi, t'es là, ouais, mais quand même, Seigneur, c'était pas très bien juste ce qui s'est passé, tout ça. Lâche l'affaire. Oui, mais quand même, Seigneur, c'était pas très bien juste. Et puis déjà dans la première église, et puis maintenant, et puis... Lâche l'affaire. Mais Seigneur, tu sais, c'était... Et à force de ne pas retenir la leçon, tu vas développer des stratégies de contournement. Oh, vous êtes là ou pas ? Ça va piquer. Là, ça n'a pas piqué encore. C'est pour ça que... Là, on a fait l'apéro, là, maintenant, on va aller... Adonija, regardez ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il demande ? C'est un grand malade, le monsieur. Il va demander à la mère, à la fameuse Bathsheba, super gentille, mais pas très... Maintenant, j'ai une demande à te faire. Ne me repousse pas. Elle répondit, parle. Elle est facile à manipuler, la dame. Et il dit, je t'en prie, dis au roi Salomon de me donner pour femme Abishag la Tsunamite. Tu sais le top modèle, là ? Le top des top. Elle est hyper belle. Car si c'est toi qui le demande, il ne te repoussera pas. Il est encore en train de faire des manigances parce qu'il a encore une prétention, mais ce n'est plus une prétention à l'autorité, c'est une prétention à l'amour. Le gars, il est un peu orgueilleux. Alors, je vais juste faire un petit scandale, puis après, vous jugerez comme vous voulez. Mais vous voyez, moi, j'ai connu une période... En amour, nous sommes tous des prétentieux. Non, je le refais. Pas vous, mais la plupart des autres êtres humains, hommes et femmes, sont
plutôt prétentieuse en amour. Et les années de spiritualité ne changent rien à l'affaire, voire même ça aggrave. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'étais dans une... Quand j'étais jeune, il y a quelques temps, et célibataire, et à l'époque j'étais beau et musclé, jamais été très musclé, mais on va faire l'histoire à l'envers. De toute manière, on améliore toujours le passé avec le temps. J'étais avec mes collègues qui, eux, par contre, étaient un peu plus musclés, et on était plusieurs, il y a ici des témoins, donc je ne veux pas que j'aille trop loin. On était plein de beaux gars intelligents, super consacrés, spirituels et célibataires. Et dans le groupe de jeunes, ce n'était pas non plus un super grand groupe de jeunes à Brest, il y avait aussi des filles belles, intelligentes, etc. Et puis il y avait Abishag. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours une Abishag, quoi. Vous savez, les filles, celles que vous détestez, là. La fille qui, quand elle rentre, vous n'existez plus. Ah, vous la connaissez aussi, hein? D'accord. Et donc, on priait tous pour savoir quelle était la volonté de Dieu dans le choix du conjoint. Et on priait. Et on jeûnait pour certains. Ils ont perdu des kilos, d'ailleurs. Et c'est une stratégie comme une autre. Et au final, il n'y eut aucun mariage. La première année. Aucun mariage. La deuxième année, Abishag aussi était célibataire. Et puis un jour, il y eut un soir, il y eut un matin. Et Abishag se maria. Gloire à Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, tous mes copains se sont mariés. Très vite. C'est comme si Abishag avait libéré tout le monde. D'un coup. Et je me suis dit, les gars, vous avez tous trouvé la volonté de Dieu d'un coup. Vous voyez peut-être là où je veux en venir, mais elle bloquait un peu tout le monde, Abishag. Parce que je pense, et j'en fais partie, on était tous des prétentieux. Et le jour où elle n'était plus dans nos prétentions, ben, on disait, finalement... Je vous laisse finir les phrases. Bon, moi, je suis quand même resté sur le carreau, hein, que Dieu ait pitié de moi, jusqu'à ce que... Mais c'est quand même drôle, non? Et dans tous les groupes de jeunes... Même au Japon, en Amérique latine, c'est pareil. Il y a toujours une Abishag que toutes les filles détestent, elles ont raison. Et c'est pareil chez les gars des fois. Pourquoi? Ben parce qu'on vise tous haut. Et puis après, avec le temps, ça s'aggrave. Parce qu'on dit, Seigneur, t'as vu, j'ai même pas pris Abishag. En fait, c'est Abishag qui t'a pas pris, mais bon, c'est pas grave. Et tu dis, Seigneur, ça va être encore plus haut alors. Puis là, il y a un moment, Dieu, il dit, à force de monter, là, on est dans le ciel. Là. On est très orgueilleux tous. Et en amour, c'est presque un tabou dans les églises. Et en fait, c'est pas de l'amour, ça. C'est de la prétention. Mais les prétentions affectives, ça peut tuer, les amis. Amen. Non, mais sans blague, il en est mort, le monsieur. Le monsieur... Il en est vraiment mort. Parce que là, Absalom lui a dit, maintenant, on va arrêter de délirer. La première fois, je t'ai fait descendre du truc et je t'ai laissé la vie. Mais là, la deuxième fois, il ne faut pas abuser. Surtout qu'il y avait encore une petite idée derrière, c'est que comme Abishag était une ex-reine, même si le roi n'avait jamais couché avec elle, quelque part, ça le permettait de re-rentrer au palais. Et là, Salomon, il dit, c'est bon, là, vous commencez à m'énerver, terminé. Et je pense que quand on a des prétentions affectives, ça peut nous rendre amers et ça peut nous détruire notre vie sur le long terme. Et ça veut dire que vous restez buggé, c'est la vérité. C'est-à-dire, vous pouvez rester buggé sur quelqu'un dans une église parce que vous êtes une super chrétienne et le jour où lui ou elle se marie, tu fais jamais ton deuil. Et tu te restes dessus en disant, Seigneur, pourquoi, 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 et ça bug. Et toute ta vie, le Seigneur te dit, eh oh ma chérie, c'était pas pour toi. Eh oh, mon chéri, c'était pas pour toi. Bien sûr, c'est pas facile. Là, je vais pas vous dire que j'ai aimé. Hein. Moi, le jour où... Je sais pas pourquoi on appelait ça un râteau. Mais moi, j'en ai pris un aussi. Mais je sais pas si vous avez déjà marché dans un râteau et que vous prenez un râteau, ça fait le même effet. Ça vous coupe en deux, un râteau. Lorsque la personne... Quand je me suis déclaré, après quelques années, je me suis dit, c'est normal. J'ai des sentiments pour toi, je vais t'épouser. La fille me dit non. Mais ma première réaction, c'était, mais j'étais choqué. Mais de quel droit?
elle n'a pas à justifier son nom. La personne n'est pas une chose. Vous voyez, si tu es dans le avoir au lieu d'être dans l'être, tu vas te prendre un râteau. Parce que tant que Dieu n'a pas changé ton être, il serait dangereux pour lui de te mettre dans une situation où ton être n'est pas. Et avoir peut être dangereux quand on n'est pas. Bon, il faut que je prêche à moi-même. J'ai marqué un truc. Le mariage est un choix, pas un droit. Un bon mari... C'est un choix, pas un droit. C'est-à-dire qu'il va falloir construire ça. Ça veut dire que je sais que Dieu est là pour vous conseiller dans la vie conjugale, vous aider, mais ça se construit, mes amis. Parce que la personne n'est pas une chose, c'est un être. Et ça se construit être et être, pas avoir. Et dans le couple, à chaque fois que tu vas dire « Mais j'ai le droit, tu me dois, ceci est... » T'es foutu. Parce que tu rentres dans une relation de marchandage au lieu d'être dans une relation de être. Et j'ai une dernière phrase qui pique, et puis après j'arrête, parce que sinon je vais me faire lapider. Le mariage ne doit pas être la compensation de tes échecs ailleurs. C'est, tu peux pas, et c'est, je pense qu'il a essayé de se refaire une royauté via Abishag. Et je suis étonné combien il y a de personnes qui, puisqu'elles sont mal valorisées dans leur entreprise, par rapport à leur leadership, je suis écrasé, je ne suis pas reconnu dans l'église, pareil. Mais à la maison... Alors là, t'es le big boss du genre, tu vides la poubelle au travail, mais à la maison, t'as le canapé, t'allumes la télé, il y a la match de l'équipe de France, et le premier qui m'ouvre derrière, tu l'exploses. Excuse-moi, c'est pas de l'autorité. C'est du despotisme. Cherche dans le dico. Despotisme. Mécanisme de restauration. Heureusement, Jésus vient nous aider quand même. Hein. Faut que je me sorte de là, je suis mal parti. Mécanisme de restauration. On va voir comment Adonijah, lui, c'est foutu pour lui. Mais c'est pas fini pour toi. Oui, tu as des prétentions de leadership, tu as des prétentions d'autorité, tu as des prétentions d'amour. Comment Jésus va gérer ça? Et mes amis, il va complètement retourner. Rotation vitale avec Jésus. Qu'est-ce que va faire Jésus? Vous connaissez, j'ai moins besoin de développer. Quelle va être la relation de Jésus à l'autorité? Soumission. Soumission à qui? Soumission à Dieu dès le départ. Comme David l'était vis-à-vis de Dieu, il a une relation excellente à l'autorité de son père. La preuve, la Bible nous dit qu'il n'a pas cherché à utiliser son égalité avec le père, mais il a choisi de se soumettre volontairement. Et, mes amis, le problème de David n'étant pas un problème de soumission, le problème de David étant un problème de transmission après soumission. Qu'est-ce que va faire Jésus? Il va transmettre. Alors qu'il est sur le point de mourir et de donner sa vie pour ses amis, il va faire un repas, il va enlever ses habits, il va se mettre à nu, il va commencer à leur laver les pieds et il va leur dire « Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des rivalités. » Il y a aussi une rivalité parmi les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand. Est-ce que tu m'as perdu? C'est juste un petit... Merci beaucoup. Et Jésus leur dit « Les rois des nations dominent sur leur peuple, sur ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. » Tout le monde aime ça. Excusez-moi, mais tout le monde préfère être chef, hein, d'accord? Au moins donner des ordres plutôt qu'en recevoir. « Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui commande soit celui qui sert les autres. » En fait, c'est énorme. Jésus nous dit « Écoutez, votre relation à l'autorité, elle est inversée. » Soyez d'abord. Et pour être, il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Waouh ! Jésus. Hop ! Il a retourné le problème d'autorité de la famille de David. Le fils de David a corrigé le bug. Deuxième chose, et ça c'est Adonai, Yahweh. L'Éternel est mon souverain, et si je suis bien clair que l'Éternel est mon autorité, je n'ai pas peur de servir quelqu'un, parce que toute autorité qui serait abusive, de toute façon, est entre les mains de Dieu, donc j'en referai au grand patron in fine, donc je suis en sécurité. C'est très très bon, c'est très très bon.
Que Dieu soit vraiment celui qui a toute la souveraineté dans votre vie, parce que vous vivrez bien tous les autres. Par contre, si vous vivez mal la souveraineté de Dieu, vous risquez de mal vivre aussi les relations affectives. Et je termine là-dessus. Qu'est-ce que Jésus va vivre au niveau de l'amour ? Excusez-moi, ça va peut-être un peu piquer, mais je me suis toujours demandé pourquoi Jésus est-il resté célibataire ? Pourquoi Jésus est-il resté célibataire ? Franchement, vous croyez qu'à 30 ans, Jésus n'avait pas envie de se caser comme tout le monde ? Quand tu es au bord du lac de Génézareth, qu'il y a un petit coucher de soleil, t'as pas envie de faire le tour main dans la main avec quelqu'un, là, juste en romantique, avec une petite picture là, c'est un petit... Mais bien sûr qu'il en avait envie. Quand tu es déprimé, quand tu es un peu fatigué, tu crois pas que Jésus aurait voulu quelqu'un... Bah, c'est sympa de traîner avec Judas, Matthieu et les autres, mais quand même, sérieux, les copains, il y a eu des limites, quoi. Il y a des limites. C'est pas des fines fleurs, en plus, les gars, tous, hein. Je sais pas. Bon... En voyage pendant 3 ans avec eux. Bon. En plus, comme tu sais qui ils sont à l'intérieur, t'es déçu des fois. Mais Jésus, il reste. Et je me dis, pourtant, les tentations devaient exister. Des fois, les déclarations d'amour étaient un peu maladroites. Je pense à cette dame, c'est pareil, si je la croise au ciel, je sais pas ce que je vais lui dire, mais... Quand elle dit, « Heureux les mamelles qui t'ont porté, les seins qui t'ont allaité !» Jésus s'arrête et il dit « Heureux plutôt, ceux qui font la volonté de mon Père. » Ah là, j'ai bien, je vais refaire le « Ah là !» Non, j'ai pas besoin d'être flatté, quoi. À chaque fois que quelqu'un a essayé de lui dire « Jésus, t'es trop excellemment génial et bon. » Il a pas permis ça. Pourquoi ? Parce qu'il était, il a compris que aimer, c'est donner sa vie pour. Il aurait pu se caser, oui, il aurait pu. Il a choisi de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, honnêtement, vu la tâche qu'il avait et les personnes qu'il devait porter, vu qu'à la croix, il devait payer pour nous, pour nos péchés, etc., il a dit, je ne vais pas amener quelqu'un là-dedans. Parce que si Jésus s'était marié, il aurait laissé une veuve. Il n'a pas voulu faire ça. Déjà, laisser sa maman en pleurs, c'était terrible pour lui. Et il a dit, non, je suis prêt à donner ma vie parce que aimer, c'est autre chose que de se marier. Je crois que le mariage est génial, ça vient de Dieu, etc. Mais je crois également qu'on peut être complet, en étant célibataire, parce que l'amour se limite pas à la notion de mariage et de couple, parce que si tu dis que ta vie elle est incomplète tant que t'es pas marié ou que t'es pas casé, ben désolé de te dire, mais la vie elle va mal se passer, parce que quand bien même tu serais casé, marié ou ceci, cela, tu vas te rendre compte que des fois il y a des choses qui sont pas roses et tu te sens pas forcément tous les jours aimé par ton conjoint, et ça c'est juste une vérité. Donc si ton amour, t'as besoin d'être aimé d'abord avant de pouvoir aimer, ben tu vas pleurer. Et ça va pas le faire, parce qu'on a un choix à faire, et je termine là-dessus, choix. La Bible dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Mais moi, je pensais que je savais ce qui était bon, quoi. Je veux dire, tu croises Abishag, tu dis, c'est parfait, hein. Mais c'est pas parfait pour toi. C'est peut-être pas bon pour toi. C'est peut-être... Je comprends que ça soit difficile, mais revoyons nos prétentions à la juste mesure, à notre juste valeur. Grandissons plutôt que réclamons, revendiquons. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même et de garder des sentiments modestes. Du genre que si ça ne suffisait pas de dire trop haute opinion de lui-même, il rajoute des sentiments modestes pour qu'on soit sûr qu'on ait bien compris l'apôtre Paul. C'est vraiment l'humilité pour les nuls, quoi. Parce que j'ai du mal là-dedans. Parce que j'ai du mal à me soumettre. Mais mes amis, l'autorité, c'est se soumettre plutôt que de diriger. C'est ce que Jésus m'a appris. Et même si ça prend une vie, que le Seigneur m'aide à me soumettre plutôt qu'à diriger. Et c'est difficile. Parce qu'à chaque fois que ma chair... et mon âme vont reprendre le contrôle, ils vont essayer de dégager l'esprit de soumission en moi. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu, et que tu te maries et que tu aies beaucoup d'enfants. Non, désolé, c'est pas dans le package. Non, d'accord. Donc, on est bien d'accord. C'est pas dans le package. C'est-à-dire que le mariage... Ça peut être, c'est un don, mais c'est pas un dû.
Le mariage, c'est un don, mais c'est pas un Dieu. Alors, je termine là-dessus. Comment je fais alors ? Aimer ? Bah, aimer, c'est aimer sans revendiquer. Et là, on a... Là, il y en a fait la boucle. Là. Je termine ma dernière illustration avec Éric Dufour. Je pense que c'est indispensable que les pasteurs aient un pasteur. Parce que sinon, qui les arrêtera quand ils font des erreurs ? Et qui les relèvera quand ils seront KO ? Et il y a une période de ma vie où quand Éric m'a connu, j'étais juste rien, j'avais 15 ans, je sortais d'une église dysfonctionnelle et j'étais moi-même bien paumé comme il fallait. J'essayais de réfléchir et j'essayais de m'en sortir. Puis Éric, je pense qu'il devait avoir une petite trentaine d'années à ce moment-là. Il a parlé et il s'est passé une connexion divine. Vous savez que Dieu, des fois, vous envoie des personnes, vous ne savez pas pourquoi, mais en fait, votre vie entière sera liée derrière. Et à ce moment-là, on a senti qu'il se passait quelque chose. Puis le temps a passé. Puis on a gardé contact. Puis Éric, c'était mon héros. Éric, mais ce n'était pas seulement le mien, c'était le héros de tout le monde, parce qu'avec sa femme, il partait au Laos. Vraiment, c'était le couple idéal avec des enfants. Ils étaient beaux, ils étaient jeunes, ils prêchaient super bien. Tout le monde l'écoutait. Quand Éric prêchait, ça changeait notre vie. Et il avait la gloire. Et nous, on était juste des petits riens. Et moi, je faisais partie de ses admirateurs. Et puis, il est devenu responsable pour l'Asie du Sud-Est, de nombreux missionnaires. Et là, il a connu que des échecs au niveau de la gloire. Je ne sais pas si vous comprenez que des fois, votre autorité, elle souffre terriblement. Il a eu des souffrances dans son corps, par rapport à la santé des siens également. Il y a eu des épreuves pas possibles, problème de la langue, problème de la maladie, problème de tout. Et puis, les personnes qu'il était censé aider, certains pasteurs, ont complètement vrillé. Avec des situations d'adultère, des situations où les pasteurs étaient très très loin de Dieu. Alors il a arrêté. Et quand on s'est recroisé, c'était un Éric qui me dit, « Yvan, il faut arrêter le massacre. Je vais arrêter de prêcher moi-même et je vais me mettre au service des autres, je vais aller me former. » Il a accepté alors qu'il avait enseigné les autres, de reprendre des cours avec sa femme. Ils sont partis se former et dit, « On va être un service qui va aider les ministères. » Et puis, il y a eu le film Le Seigneur des Anneaux. Certains ont regardé le film Le Seigneur des Anneaux. Si vous voulez m'envoyer des emails, envoyez-moi des emails, c'est OK. J'assume. Le Seigneur des Anneaux, c'est un film dans lequel il y a un certain personnage principal qui s'appelle Frodon. Frodon, c'est le héros. Il n'est pas bien fort, il n'est pas bien costaud, mais il a une autorité sur sa vie. C'est lui qui va devoir porter un certain anneau pour aller détruire comme l'anneau du péché et aller le détruire. Et c'est lui qui va avoir la visibilité. Et tout le monde va parler de Frodon comme celui qui porte l'anneau. Sauf que personne ne parle dans Le Seigneur des Anneaux d'un autre personnage. Cet autre personnage, c'est un certain Sam. Je ne sais pas si vous vous rappelez le visage de Sam. On se rappelle tous du visage de Frodon parce que Frodon a le projecteur. Mais Sam est derrière. Et Sam, c'est celui qui accompagne celui qui. Vous savez, c'est bizarre, mais je lis les livres de John Maxwell sur le leadership. Comment être un bon leader. Mais j'ai jamais vu un livre pour dire comment aider un leader à devenir leader. J'ai vu des livres sur comment me marier. Mais j'ai jamais vu un livre sur comment aider ma meilleure amie à se marier quand moi je reste célibataire. Vous comprenez que on a tous envie parce qu'on a des prétentions. Et un jour, Éric, il m'a dit, j'ai dit, mais Éric, pourquoi tu prends du temps avec moi comme ça ? Et il m'a dit, ça me touche encore, il m'a dit, Yvan, t'as vu Le Seigneur des Anneaux ? Je dis oui. Il me dit, t'es Frodon. Et moi, je serai ton Sam. Regardez l'image. Allez, monsieur Frodon. Je ne peux le porter pour vous. Mais je peux vous porter vous. Venez ! C'est comme ça qu'il va se passer. Et cette équipe marche parce que quand Frodon ne marche plus, il y a un Sam qui ne peut pas porter l'anneau, mais qui peut porter celui qui porte l'anneau. Et Éric m'a dit, Yvan, c'est toi qui vas avoir les caméras, c'est toi qui vas avoir les mails, c'est à toi que les gens viendront voir à la fin des cultes. Et moi, je serai celui qui te porte et qui ne verront pas.
J'ai une petite question, là. Et si Dieu vous avait donné le ministère de Sam? Et si vous étiez le Sam de votre conjoint? Et si vous étiez le Sam? Éric Dufour, il a appelé son ministère service d'aide au ministère Sam. Je rêve que vous réalisiez que lorsque vous êtes dans l'appel que Dieu a prévu pour vous, avec une prétention, mes amis, être Sam, c'est largement aussi bien, à condition de comprendre que l'objectif, ce n'est pas d'être le héros de l'histoire, c'est que l'histoire se finisse au ciel de la plus belle des façons, avec un vrai succès pour tout le monde. Et je crois qu'au ciel, on aura même des méga surprises sur qui était le vrai héros de l'histoire. Moi, je crois qu'il est temps que vous arrêtiez de passer à côté de l'appel de Dieu dans votre vie. Celui qui, vous savez, celui qui a la visibilité, la Bible dit, il sera jugé plus sévèrement. Il y a des moments de vulnérabilité dans ton leadership que Dieu peut-être veut te préserver en te disant, aide un autre à réussir. Aide ta fille à devenir la femme que toi, tu aurais rêvé d'être. Aide ton cousin, aide ce petit gars, aide cette mamie à finir de la plus belle façon sa vie. Mes amis, ça ne fait pas rêver, ça. Mais quand tu es là où Dieu te veut, on ferme les yeux ensemble. Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que mes prétentions sont alignées avec tes prétentions? Je ne veux pas me dévaloriser, je ne veux pas me survaloriser, je veux juste faire et être qui tu veux que je sois. Ne pas chercher à avoir, mais chercher à être. Pour ça, j'ai besoin de passer du temps avec Dieu. Et c'est peut-être dans l'épreuve que je vais forger cet être et ce caractère que Dieu veut que j'aie. Seigneur, viens changer notre être. Seigneur, attire-moi à toi, bien plus près. Bien plus près de toi. Que je n'ai jamais été. Que je n'ai jamais été.
toi contre ton cœur. Serre-moi dans tes bras. Je souhaite avoir une relation de cette maturité avec Dieu où ton être est prioritaire sur ton avoir. Je me rappelle un moment où j'avais été opéré, ça s'était très mal passé, j'étais dans une chambre, je souffrais et j'ai vu ce psaume là. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie. Quand tu vas mal, c'est dur de dire ça. Mais regarde ça, regarde à Dieu, l'autorité de Dieu. Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, c'est David qui écrit ça. Tu tiens dans tes mains mon destin. Et il dit ceci, il dit, c'est un sort qui m'enchante. C'est même un privilège qui me ravit. Alors que ma jambe était mal et que j'avais souffert le martyr, j'avais dit, Seigneur, je m'engage à dire ça toute ma vie, dans les moments faciles, les moments difficiles. Seigneur, tu es la chance de ma vie, la part qui me revient. Rien ne pourra m'enlever cela. Rien. Mes amis, merci pour ce temps passé ensemble. Chers amis, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK, à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur eglisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.